Alors, une fois de plus, bienvenue à tous et tout. Donc, ici pour Paul Le Boy, je vous parle en direct d'Ottawa, Ontario, Canada. Et donc, c'est un moment extraordinaire que nous passons ensemble. C'est tellement important d'avoir donc un temps où, en dehors de tout l'engrenage qui tourne autour de la vente des produits, de faire découvrir les produits aux autres. Justement, tout à l'heure, j'étais en train de reprendre un texte d'un prospect avec lequel j'étais en train de parler, juste par rapport aux produits. Donc, en dehors de tout ça, faire découvrir les produits, parler dans notre entourage, parler à des étrangers, se faire découvrir, etc. Il y a toute une attitude qui vient avec ça. Et souvent, il est très facile de ne pas penser à cet aspect des choses. Il est vraiment très, très facile de juste ne pas y penser. On pense que les vertus d'un produit sont suffisantes. Juste le fait que le produit est extraordinaire et que tout le monde est censé dire youpi, on y va. Oui, le produit fait tout le travail, mais en même temps, entre une vente, quelques ventes, des ventes intermittentes, des ventes saisonnières ou des ventes quotidiennes, un peu plus de ventes quotidiennes et un peu plus et un peu plus et un peu plus et au point où donc votre quotidien par le cumul commence à vous rapporter 50 000 par année, 100 000 par année, juste avec ce même concept dans lequel on est et puis évidemment 1 million par année, et je pense que le chiffre 1 million est très très attirant. La plupart des gens voudraient, je veux dire, 9 personnes sur 10 sur le trottoir vont dire oui à être multimillionnaire. On a juste à regarder dans les stations d'essence le nombre de personnes qui vont acheter les billets de loterie, c'est incroyable. Je regarde ça chaque fois et je me dis, ben, tout cet argent dépensé dans les billets de loterie au bout d'une vie, ben, ça aurait pu être investi quelque part, ça aurait pu rapporter des bons taux d'intérêt dans un bon produit d'investissement, ça aurait pu donc les aider à démarrer quelque chose comme ce que nous on a ici et tout, donc voilà, et faire découvrir des petites merveilles comme cette petite bouteille que vous voyez là, c'est toute une merveille. Vous vous rendez compte que cette bouteille ici a changé la compagnie, pour ceux qui sont en tout cas Isagenix, ça, parce que je veux dire, ces enseignements ici sont très génériques. Mais pour ceux qui sont Isagenix, cette bouteille a changé la compagnie. La compagnie était déjà extraordinaire, et ça fait 19 ans qu'elle existe. Mais cette bouteille a changé tout. Cette bouteille. Quand vous suivez les podcasts avec Cathy Coover, qui est la cofondatrice, enfin fondatrice, cofondatrice, les statistiques qu'elle donne, et demain, lors de notre session sur justement les produits et la vente et tout, je vais faire un résumé des statistiques. Donc, en date d'aujourd'hui, sur cette petite bouteille. C'est juste époustouflant. Moi, quand je suis ces Zooms et tout, dans ces podcasts avec Cathy Coover, je suis tellement inspiré. Je me dis, waouh. On a été inspiré par le Moringa, c'est sûr. Le Supermix demeurera le Supermix. Il demeurera imbattable. Il demeurera le produit qui va vraiment nous ouvrir la porte à tous les foyers du monde. Mais il y a cette petite bouteille qui arrive et elle a un potentiel extraordinaire de faire autant, de créer autant d'impact que le Supermix. En termes de faire parler d'un produit, en termes de médiatisation d'un produit, juste par les résultats et la satisfaction que les gens ont sur le produit, ben, cette petite bouteille a le potentiel. En ce moment, c'est le vendeur numéro un de toute la compagnie, de toute l'histoire de la compagnie. Rien n'a vendu plus que cette bouteille, vous vous rendez compte. C'est vraiment extraordinaire. Donc là, je sais quoi, ma troisième bouteille du jour, ma quatrième, en tout cas, bref. Voilà l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi extraordinaire, c'est que vraiment le goût est aussi extraordinaire. C'est une extraordinaire expérience au niveau des papilles gustatives aussi. Donc, cette émission, ce podcast, c'est vraiment une conversation, vous voyez? Et je vous encourage vraiment à prendre des notes parce que à la minute où je me mets à parler, je suis déjà en train d'enseigner. C'est un enseignement qui va je veux dire, vous allez voir, c'est juste un enseignement différent. Je veux dire, c'est un style d'enseignement différent.
Je peux avoir des choses structurées en images et avec des points et tout. Tout comme je peux vous parler librement. Mais parler librement ne veut pas dire que c'est juste des paroles en l'air. Okay, donc prenez des notes parce que c'est vraiment des grands concepts qui sont donnés dans un format simple de conversation. Des grands concepts. Et ceux qui sont là vraiment pour le succès, pour réussir et tout, vont identifier. Leurs oreilles vont capter. Vous voyez, quand on est prêt, on entend, nos oreilles vont chercher certaines choses. Et on va les entendre, ces choses, et on va les prendre en note. C'est juste crucial, vraiment. OK? Donc, voilà, et je tiens en main aussi donc, un BA. Mon préféré, c'est le rouge, donc le Berry Bellini. Mais en ce moment, je pense que j'ai contribué à ce qu'il n'y ait plus de stock de Berry Bellini parce que chez nous, ici à la maison, c'est juste ça qu'on buvait. Et pas en petite quantité, en grosse quantité. Et en ce moment, on a juste le mango, mimosa et puis le citronné qui reste. Donc, je me contente du mango, mimosa en ce moment, mais j'ai vraiment hâte à ce que le Berry Bellini revienne. Donc voilà, ça c'est aussi une autre merveille que nous avons. Donc, ce que j'aime bien avec ce produit en particulier, c'est que vraiment ça rehausse les humeurs. Pas que j'étais de mauvaise humeur ou quoi, mais ça contribue vraiment à rehausser donc l'humeur et ça donne cette énergie extraordinaire et c'est une énergie botanique à base de plantes adaptogènes. C'est du jamais vu comme concept. En tout cas, bref. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous donc, un témoignage, moi, qui m'a vraiment inspiré. Vous voyez, l'une des choses qui m'a... Je peux juste en vous racontant un peu. Vous voyez, cette émission, j'en profite aussi pour juste me déverser en vous et dire des choses que je n'ai pas le temps de dire ou que je ne peux pas toujours dire dans les messages WhatsApp, OK? Mais ici, j'en profite pour pouvoir parler un peu plus. Vous voyez, je me replonge à mes débuts et je ne savais rien de la profession de l'entrepreneur. J'étais juste tellement excité à l'idée que je pouvais être libre, ne plus avoir un boulot. Vous savez, à un moment donné, je veux dire, les motivations changent d'année en année, d'étape en étape de la vie. Mais il y a un moment où ma seule motivation était « je ne veux pas retourner avec un CV, demander un boulot ». C'était juste comme « oh là là, Seigneur, de grâce, je ne veux pas aller donner un CV ». J'étais tellement misérable au travail, j'étais juste misérable. Et quand on entend qu'aux États-Unis, les lundis matins et tout, les taux de crise cardiaque sont à la hausse, c'est relié au fait que beaucoup de personnes vont au travail complètement insatisfaits. OK? Les gens sont juste insatisfaits. Les personnes insatisfaites complètement. Parce qu'en fait, le travail devient une corvée parce qu'on a la pression économique. Vous voyez? Mais si le travail devenait comme le plaisir, le plaisir devenait comme le travail, ça ne ferait pas de différence si on travaille ou si on a du plaisir. Ce serait le même élément. Et ce même élément, on le retrouve lorsqu'on découvre notre vrai travail et qu'on peut se détacher du boulot, vous voyez. Il y a une différence entre, le travail et le boulot. C'est deux choses complètement à part, OK? Le travail et le boulot. Le boulot, c'est ce qu'on va faire, on va prendre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un boulot par rapport à ce qu'on a étudié en tant que tel. Mais encore là, ce qu'on a étudié à l'école, est-ce que ça veut vraiment dire que c'est nécessairement la chose pour laquelle on a été manifesté sur Terre? Ce n'est pas nécessairement ça. Parfois oui, parfois non. Et pour ceux qui aiment vraiment leur travail, parce que c'est vraiment ce pour quoi ils étaient nés, tant mieux. Mais encore là, la pression économique ne change pas. Aimer son travail parce que c'est ce qu'on a... On était né pour faire, ne veut pas dire qu'on va devenir libre financièrement tant qu'on... Oui, parce que si on demeure employé, la liberté financière devient très, très difficile à atteindre, pour ne pas dire impossible. Parce qu'on peut très bien être employé et investir de façon intelligente et acheter des maisons et investir dans l'immobilier de façon étape par étape, graduelle, et bâtir un portfolio, à un moment donné, avoir un bon portfolio d'investissement qui fait en sorte que, peu importe, on a peut-être eu une carrière, on a bien aimé le travail qu'on a eu, c'était vraiment notre vocation, mais entre-temps, on a aussi mis quelque chose de côté pour avoir une meilleure retraite, pour être libre. Je connais cette histoire d'un pompier qui était millionnaire,
Mais il aimait son travail de pompier, mais il était multimillionnaire, pompier. Mais entre-temps, il a investi. Mais il se défoulait dans son travail de pompier parce que c'était apparemment sa passion. Il y a quelque chose en lui qui faisait que non, il était très bien quand il était pompier. Mais ça n'a pas empêché que financièrement parlant, bah, il ne s'est pas juste limité au fait qu'il aimait son travail. Parce que c'est que ça demeure un travail, vous voyez. Oui, j'aime mon travail, d'accord, ça demeure un travail. Ça demeure quelque chose qui est limité. Ça demeure un échange entre des heures, ok, et de l'argent. On donne 8 heures de notre journée et on reçoit une contrepartie salariale équivalente à 8 heures par jour. L'échange ne change pas. Le fait d'aimer son travail ne change pas la nature de l'échange. Je répète encore. Le fait d'aimer son travail ne change pas la nature de l'échange. L'échange demeure le même. Le deal ne change pas. Oui, j'aime mon travail. D'accord, c'est très bien. Tant mieux. Okay, tant mieux si on va au travail sans stress, parce qu'on aime son travail. Mais la nature de l'échange ne change pas. Vous voyez? Oui, j'aime bien mon superviseur, j'aime mon directeur, j'aime mon patron, on s'entend bien au travail. D'accord. J'aime bien mon employeur, le propriétaire de la compagnie. D'accord. Mais la nature de l'échange ne change pas. La nature de l'échange ne change pas. C'est quoi la nature de l'échange? C'est une équation qui va comme suit. On échange du temps pour de l'argent. C'est tout. J'aime mon travail, j'aime mon patron, j'aime mon superviseur, j'aime mes collègues d'emploi, mes collègues de travail, on s'entend bien, on va manger ensemble, on prend nos lunchs et nos dîners et tout, et c'est super cool quand je suis au travail. D'accord, ok, ça va. Mais la nature de l'échange ne change pas. On échange du temps pour de l'argent. Okay? On ne pourra pas dire à nos créanciers et aux gens auxquels on doit de l'argent, les factures, les services qu'on utilise, que bon, sous base du fait que je m'entends bien au travail et que j'aime mon travail, ben voilà, c'est pas ça qui va résoudre nos problèmes ou payer nos factures. Donc on doit comprendre ça. Et on peut très bien aimer son travail, mais on doit comprendre aussi que okay, ben, c'est une autre conversation, la conversation de la liberté financière. C'est toute une autre conversation. Rien à voir avec le fait d'aimer son travail. Si on peut être libre financièrement et aimer son travail, ok, c'est bon. Au moins, on s'est pas laissé avoir par le fait qu'on aime son travail, mais entre-temps, on s'est pas rendu compte que la nature de l'échange était la même. On échange du temps pour de l'argent. Ça ne rend pas riche aimer son travail, vous voyez. Mais par contre, ce qui va rendre riche, c'est de pouvoir, ok, découvrir quel est notre réel travail. Parce que notre réel travail est celui qu'on est né avec. C'est pas nécessairement, ok, la matière qu'on a été étudiée à l'école. Le réel travail, on est né avec. Okay? Tout comme quand on regarde un oiseau, ben, il est programmé pour voler. Okay? L'oiseau vole. Okay? Et si quand l'oiseau arrête de voler, ben, c'est un oiseau qui se prépare à mourir. Okay? Donc, de même que l'oiseau vole, ben, nous aussi, on fait quelque chose. On est né individuellement pour faire quelque chose. Et cette chose que nous sommes appelés à faire, qu'est notre travail, c'est en fait une partie de nous. C'est nous, en fait. Vous voyez? Et on ne se force pas quand on exerce le travail avec lequel on est né. On ne se force pas. Ça découle de notre nature. Ça découle de ce qui on est, de comment on fait les choses. Ce que nous, on trouve normal, en faisant certaines choses d'une certaine façon, quelqu'un va dire « Waouh, mais comment tu as fait ça ?» Mais la personne qui fait ça trouve ça normal parce que ça fait partie d'une programmation, d'un package, d'un emballage, okay, avec lequel cette personne est venue. Alors, l'important quand on est entrepreneur, c'est de découvrir okay, ben, quel est notre réel travail. Et l'entrepreneuriat est un extraordinaire environnement qui nous aide à découvrir ou se rapprocher, ok, de ce qui pourrait être notre réel travail. Qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Vous voyez? Le travail a tendance, ok, le boulot a tendance à étouffer ce que Dieu a mis en nous, qui est ce travail qui est en nous. Et moi, je l'ai vécu. Okay? J'étais là, employé de Bell Canada, c'est une compagnie ici au Canada, en tout cas, une grosse compagnie de téléphone qui offre aussi des services d'Internet, et j'étais employé chez Bell Sympatico Internet, Bell Canada Internet. J'arrivais là avec toutes mes idées, etc., créativité, mon esprit artistique, mon esprit, je pense, entrepreneurial, mais je n'étais pas encore entrepreneur à cette époque-là, et tout. Et puis, on me disait, OK, écoute, suis les règles, OK, et puis voilà.
je pouvais ramener toutes sortes d'idées, on peut faire ceci, on peut faire cela. Ça ne les intéressait pas. C'était bien, oui, tu as des bonnes idées, d'accord, mais fais ton travail, reprends ton téléphone, parle au client et rentre à la maison. Donc, ce n'était pas l'environnement qui allait me permettre de réellement sortir tout ce qu'il y avait en moi. Mais je change de cadre, okay, je quitte le travail parce que j'étais juste tellement misérable en tant qu'employé, je me suis arrangé pour qu'on me mette à la porte. Et quand finalement mon stratagème a fonctionné, que finalement je me suis retrouvé libre, mis à pied, et c'était comme, okay, je sais que ce n'est pas ce que les gens font, okay, mais ça c'est juste mon histoire à moi. Okay, moi pour moi, c'était juste comme waouh. Et quand je me suis retrouvé libre, je découvre l'entrepreneuriat et tout faisait du sens pour moi. C'est du genre, ok, ben, le poisson se retrouve dans l'eau et c'est comme waouh, ben là, hé. Hey. Oui, vous sortez le poisson de l'eau, il commence à mourir parce qu'il est en dehors de l'eau. Oui. Et quand on n'est pas dans notre élément, ben, c'est comme si on meurt à petit feu. On a besoin d'être dans notre élément pour se sentir réellement en vie et se réveiller tous les matins et d'être emballé par quelque chose. Vous savez que les gens qui ont travaillé et qui étaient occupés tous les jours, aller travailler, d'après Industrie Canada, allez sur le site web, OK? D'après Industrie Canada ou Statistique Canada, c'est soit Industrie Canada ou Statistique Canada, il y a un rapport, une étude qui révèle que la moyenne de vie après la retraite au Canada, c'est 5 ans. 5 ans. Les gens prennent leur soi-disant retraite, OK, avec une pension quelconque et tout, et en déant 5 ans, ils sont morts. Pourquoi? Apparemment, psychologiquement, le fait de ne plus se réveiller tous les matins et avoir un but à poursuivre, etc., et tout, ben, ça vient affecter quelque chose, meurt en eux, OK, il y a un focus qui s'en va, et apparemment, en déant 5 ans, ils sont morts, d'après Industrie Canada ou Statistique Canada. Parce que tout simplement, il n'y a plus un but à poursuivre, vous voyez. D'où l'importance de réellement découvrir ce que Dieu a mis en nous comme okay, domaine de dominance. Chers amis, nous tous ici, vous, moi, on a tous naturellement, sans forcer, okay, une abondance okay, de ressources et de choses que nous sommes appelés à faire personnellement. C'est abondant en nous, vous voyez. Vous prenez un artiste comme Michael Jackson, la danse et le talent de danser, de chanter, de divertir, et ce talent était abondant en lui, vous voyez. Ça débordait. Lors de Jackson 5, ben, ils ont vu tout de suite que le petit Michael, c'était à lui qu'on devait donner le rôle du chanteur lead. Et les autres, ses frères, ils étaient plus grands de taille. Vous les voyez dans les photos des Jackson 5 avec leurs afros, là, années 60 et 70. Ben, il était tout petit. Il y avait certains de ses frères qui étaient déjà en âge adulte. Lui, il était encore tout petit. Mais il avait une abondance, vous voyez. De cet élément de la danse, du chant et tout. Alors, ce que Dieu a mis en nous, okay, ce que nous sommes nés avec, c'est abondant. Je vois là la photo de Marie-France Doublette. Marie-France Doublette est venue au monde avec une abondance de quelque chose que Dieu n'a donné qu'à elle. Et cet élément que Dieu a donné à Marie-France Doublette, juste à elle, cet élément, il est abondant. Abondant. On ne peut pas rivaliser avec elle dans cet élément-là parce que chez elle, c'est abondant. Et quand on découvre cet élément, ensuite, on arrive à maintenant à le polir, l'emballer, le structurer et aller ensuite se positionner sur la place des affaires, développer maintenant une valeur marchande. OK? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Le monde extérieur, le marché, les industries vont s'aligner pour vous envoyer de l'argent. Oui, on vous envoie de l'argent. Parce que votre domaine naturel de dominance, cet élément abondant que chacun est venu avec, quand il est découvert, organisé, structuré, emballé, présenté au monde, et que vous découvrez la niche qui recherche ce que vous avez, il faut découvrir la niche. Ce n'est pas tout le monde qui voudra ce que vous avez. Okay? Mais il faut découvrir la niche qui veut ce que vous avez. Et quand elle découvre cette niche-là, les finances ne pourront jamais manquer.
on vous enverra de l'argent là, comme ça, comme ça. À n'en plus finir. Vous voyez? Alors, l'entrepreneuriat, contrairement à l'emploi, l'entrepreneuriat, et spécialement le marketing de réseau qui associe leadership, okay, professionnalisme en tant qu'entrepreneur dans la vente, professionnel de la vente, coaching, okay, le fait d'encadrer, okay, y a la dimension du développement personnel, on a besoin d'avoir la foi, on a besoin d'avoir la vision, on a besoin d'être motivé. Vous voyez un peu, il y a tellement d'éléments en jeu. Et ce qui fait en sorte qu'on peut ne pas avoir une idée fixe de qu'est-ce que Dieu a mis en nous, mais l'environnement est tellement stimulant que, okay, mieux que dans un boulot où le superviseur, le directeur veulent garder leur poste, hein, ils ne veulent pas que quelqu'un les dépasse, donc on vous étouffe au travail. Mais ici, c'est différent, vous voyez. Ici, c'est un environnement qui est propice à stimuler ce qu'il y a en nous. Vous allez découvrir, okay, vous êtes mieux positionné pour découvrir quel serait cet élément qu'il y a en vous. Vous voyez, le marketing de réseau peut vous donner toute la philosophie, toute la mentalité de comment est-ce qu'on peut réussir avec un produit. Peut-être qu'il y a un produit en vous que vous n'avez pas encore conçu, vous voyez, un gadget, quelque chose, une solution révolutionnaire. Mais qu'est-ce que cette plateforme va vous aider à faire? Cette plateforme va vous apprendre à comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on parle au client. Vous allez découvrir comment est-ce que les gens se comportent, la psychologie de l'acheteur, etc. Vous allez découvrir un peu comment se comporte un marché. Vous allez découvrir tous ces éléments-là. Comment est-ce qu'une compagnie lance un nouveau produit? Comment est-ce qu'elle fait sa campagne marketing, etc.? Tout ça, vous pouvez ne pas, okay, prendre du temps à vous pencher là-dessus, mais de façon indirecte ou inconsciente, on le voit, les emails qu'on reçoit de la compagnie, okay, on reçoit des emails tout le temps, on voit les photos, les images, on voit comment est-ce qu'ils font leur marketing, etc. On apprend, vous voyez? Et le jour où peut-être que vous êtes du genre, mettons que vous êtes du genre à, OK, il y a peut-être un produit en vous, un concept, un service, et c'est pour ça que vous avez été manifesté par Dieu, pour cette raison-là. Et ce produit doit en fait sortir parce que l'humanité en a besoin, vous voyez. Personne n'est inutile ici. Tout le monde est utile parce que notre manifestation sur Terre est la réponse à un problème à résoudre, vous voyez. Notre présence sur Terre est la réponse à un problème à résoudre. Votre présence, OK, votre présence est la réponse à la prière de quelqu'un. Mm-hmm. Mais dites un peu là-dessus, OK. Je vais encore prendre son nom parce que je vois son image. La présence de Marie-France Doublette sur Terre est la réponse à la prière de plusieurs personnes. Oui. Et j'en vois une autre, Marie-Alice Eyebe. La présence de Marie-Alice Eyebe sur Terre est la réponse à la prière de plusieurs personnes. Donc, il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose en chacun d'entre nous ici, OK, qui est en fait un genre de réponse à la prière de quelqu'un, de plusieurs personnes, de plusieurs nations. Vous voyez un peu. Et c'est ça. Et l'élément qui est en nous, qui est la réponse à cette prière, il est abondant. On n'a pas besoin d'être jaloux, vous voyez. La jalousie est une forme d'ignorance de qui on est réellement. La jalousie, une forme d'ignorance. OK. Et un manque de confiance en soi et tout. Et du coup, bon, voilà, on doit jalouser quelqu'un d'autre. C'est une forme d'incapacité à se découvrir soi-même. Et du coup, on doit jalouser quelqu'un d'autre. Quand on a compris ce petit secret dont je parle là, waouh! Au contraire, on veut encourager tout le monde à devenir ce qu'ils sont censés devenir, autant que nous aussi, on est emballés à devenir qui nous, on est censé devenir. Vous voyez? Moi, je suis emballé par la révélation, l'éducation, l'enseignement. Je suis emballé par, justement, par ce que je fais là. Je suis emballé par le potentiel humain. Ouais. Je suis emballé par le fait de faire d'être un contributeur à ce qui est non révélé. C'est un peu dommage qu'une société fonctionne avec beaucoup de manque de révélation, mais beaucoup d'informations.
Et quand on suit ces informations-là, généralement, ça vient avec un certain agenda et ce n'est pas toujours le meilleur agenda. Et finalement, les gens suivent un cheminement, okay? Comme école prématernelle, primaire, secondaire, collège, université, maîtrise, doctorat. C'est beau, okay? C'est louable et appréciable. Mais est-ce réellement ce qu'il faut pour tout le monde? Vous voyez? Lorsqu'on sait qu'un diplôme universitaire ou peu importe une formation, un diplôme, okay, collégial, universitaire, est destiné au marché de l'emploi qui déjà vous donnera un salaire limité. Oh là là! Salaire limité! Alors pourquoi faire tout ce cheminement à la fin pour un salaire limité? Alors qu'il y a en vous un élément abondant, illimité, vous voyez, qui n'attend que son marché niche pour pouvoir donc se déverser dans ce marché niche et pouvoir donc voilà, vous voyez. La prospérité est inévitable dès qu'on comprend ce petit secret. Vous voyez. Oui, il y aura des choses à apprendre. Oui, il faut savoir comment organiser ça. Et peut-être que si on ne sait pas comment communiquer l'information, communiquer le service, le talent, le produit, ben on engage ceux qui peuvent nous aider à communiquer ça. Mais personne n'a été, je veux dire, oublié. Dieu a minutieusement et affectueusement configuré chaque personne avec un élément abondant qui est la réponse à plusieurs prières, à des pleurs. Il y a des guérissements dedans, vous voyez. Donc voilà, et moi ça m'emballe. Moi ça m'emballe justement le potentiel humain. Mais moi, je n'arrive pas avec un discours du potentiel humain dans la perspective humano-centriste. Et je m'explique. OK? Je ne ramène pas une perspective humano-centriste. OK? Parce que je comprends que le nom même humain vient de humus, man. OK? Humus, la terre, man, l'esprit. Donc, c'est un concept terre et esprit. OK? Esprit. Et qui dit esprit, on ne peut pas avoir un esprit sans avoir une source spirituelle. On ne peut pas avoir un esprit sans avoir une source qui manifeste l'esprit. Tout comme on a un corps, parce qu'on a une terre qui vous donne le corps. OK? Et si on a un esprit, ça veut dire qu'on a aussi une source qui donne l'esprit. Tout comme la terre, donc, donne le corps. Donc, l'humain, OK, ou Mousman, veut juste dire terre et esprit. OK? Ce qui veut dire que si on doit maintenant regarder la dimension spirituelle, on ne peut pas juste avoir une vision humano-centriste. Parce que le mot humain lui-même évoque la présence d'un Dieu qui est esprit et qui nous donne sa source spirituelle enveloppée dans un corps. Ouais. Donc moi, en fait, mon approche, c'est le potentiel humain, mais dans une perspective divine, vous voyez. Parce qu'on doit prendre en compte que ce qui parle en moi est un esprit, ce n'est pas juste une enveloppe. Et c'est cet esprit-là qu'on forme. C'est cet esprit-là qui passe par le développement personnel. Vous voyez? C'est l'esprit en nous qui est l'entrepreneur. Ce n'est pas le corps. Vous voyez? Et ça, c'est sûr que ce n'est pas populaire dans les livres de marketing et tout ça et tout. Vous voyez? C'est plutôt une approche humano-centriste. On ne parle pas trop de la dimension spirituelle qui est vraiment la base et le début de tout. Vous voyez? Donc, bref, quand on découvre ce quelque chose qui est en nous, et qu'on peut justement l'emballer, se positionner sur la place des affaires et tout, on ne peut pas être pauvre, c'est juste impossible. La pauvreté est une façon, c'est en fait une conséquence de cette ignorance-là, vous voyez, de cette ignorance, ignorer ce qu'il y a en nous et ignorer la notion de valeur marchande, ignorer la notion du talent, de l'élément abondant en nous qui, vous voyez, qui est là. Et de comprendre qu'on a une utilité. Vous voyez, le leadership, OK, on n'a pas besoin de se battre, genre, OK, vous voyez, parfois on voit les leaders se battre pour des territoires ou pour l'influence. On n'a pas besoin de se tirailler en tant que leader. Chaque leader est leader pourquoi? Faut d'abord qu'on redéfinisse c'est quoi le leadership. OK? Je vous donne un angle différent aujourd'hui. Un leader est un leader incontesté dans son domaine naturel de dominance. Vous voyez?
Et ce domaine naturel de dominance, OK, et c'est en fait la juridiction, OK, qu'on est naturellement né avec. Vous voyez, le talent qu'on a, l'élément abondant en nous que Dieu nous a donné, cet élément-là est le feu vert pour agir dans une certaine juridiction. Vous avez la permission d'agir dans une certaine juridiction, et ce qui vous donne la permission, c'est l'élément et abondant et prédominant en vous. C'est votre permission, vous voyez. Vous vous rendez compte que vous pouvez facilement écrire des livres, mais vous avez la permission d'écrire. Écrivez vos livres, vous voyez. Vous vous rendez compte que des chansons, pour vous, c'est rien. C'est comme, vous pouvez écrire 10 chansons par jour avec des mélodies extraordinaires, tout ça et tout. Voilà votre permission. Pas besoin d'aller demander à qui que ce soit, là. Écrivez vos chansons, vous voyez. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que le leadership repose, en fait, sur le domaine naturel de dominance. Nous sommes tous des dominateurs et dominatrices, OK, dans notre domaine de dominance. Okay. Naturel, naturello divin, si on veut. Okay. Parce qu'évidemment, ça vient d'une source. Et vu qu'on est un esprit, ben, ça vient de cette source spirituelle. Donc, c'est naturello divin, si on veut. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Et c'est des concepts. Moi, je les enseigne. Je sais que c'est pas... Ça ne court pas les rues dans l'entrepreneuriat, surtout dans notre domaine. On préfère se limiter à, bon, voilà, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on fait de l'argent. Mais ça contribue à nous aider à mieux faire ce qu'on fait, vous voyez. Voilà. C'est dans ce sens-là, vous voyez. Et c'est comme ça que Dieu m'utilise, en partie, vous voyez. Je ne savais pas, moi, que j'allais me retrouver à écrire des livres, moi, aujourd'hui. Donc, voilà, je me retrouve auteur, conférencier et toutes ces choses-là. Mais c'est venu comment? Ben, c'est l'environnement, vous voyez, qui t'allait faire ressortir ces éléments-là. L'environnement de l'entrepreneuriat. Oui. Et j'aime beaucoup le marketing de réseau, c'est vraiment une école de la vie, c'est une école, c'est la meilleure école de commerce, la meilleure école, OK, pour le marketing, pour le commerce, pour la psychologie, pour le comportement, pour la confiance en soi, c'est une extraordinaire école. On doit vraiment passer par beaucoup pour réussir, et dans ce beaucoup-là, on se rend compte à la fin qu'on a été peaufiné et restructuré, et à la fin, on devient un diamant qui brille. Parce qu'on est passé par plusieurs éléments et plusieurs étapes, vous voyez. Donc voilà, OK. Donc voilà, et du coup, donc, j'ai maintenant d'autres carrières qui se développent en parallèle. OK, en plus d'être ici avec tout le monde, ben voilà, j'ai une carrière voilà, dans mes livres, une carrière dans mes conférences, une carrière dans le coaching, etc. Une carrière en tant qu'éducateur, en tant que... Tellement de différentes choses qui se sont développées, vous voyez. Oui. Consultant, etc. et tout, okay, pour les marchés, développement des marchés, toutes ces choses-là. Donc, bref, okay. Motivateur peut-être aussi, oui, définitivement. Okay. Oui, mais tout ça, c'est des choses qui ressortent et tout, parce que le cadre nous le permet. Donc, voilà, je vais vous parler d'une histoire qui m'a vraiment touché. Et s'il y a bien une chose que j'ai vraiment fait lorsque je me suis lancé ici, c'est que j'étais un grand, et je demeure un grand étudiant du succès des autres. Je suis très passionné par l'étude du succès des autres. Ça me passionne parce que je reconnais le langage commun, le dénominateur commun du fait que si elle l'a fait, je peux le faire. Oui, le succès des autres est la preuve des possibilités qui ne sont pas juste des choses pour nous faire rêver, rêver de façon éphémère. Le succès des autres constitue la preuve que ce que nous avons est réel, okay? Et que ça fonctionne. Et que maintenant, il faut juste s'arranger pour que ça fonctionne aussi pour nous. Le succès des autres est un extraordinaire témoignage de la véracité de la chose, vous voyez. Je suis un grand fan de l'étude du succès des autres. Dès qu'on commence à me raconter, voilà comment j'ai commencé, ce que j'ai fait, c'est comme, vous avez mon attention. Je suis très intéressé à savoir comment est-ce que quelqu'un fait quelque chose. Et ça, c'est un élément depuis le début, en fait. Quand je me suis lancé dans cette industrie, oh là là, le succès des autres, je voulais toujours aller suivre les vidéos, les témoignages, comment est-ce qu'ils ont commencé et tout et tout. Et j'étais là, et je rêvais, j'étais comme, waouh, ça me faisait juste du bien.
en me donnant l'impression que waouh, voilà, ça réveillait en moi un sens du merveilleux, comme quoi que si elle peut le faire, moi aussi je peux le faire. Vous voyez. Donc, on va regarder aujourd'hui rapidement, avant de conclure, le succès de Hillary Courtenay. Ok, c'est une grande leader ici, donc au sein de la structure Isagenix. Voilà pourquoi ce que j'ai été emballé par son histoire. Et c'est Cathy Coover qui l'a présenté donc la semaine dernière. Donc voilà, elle a été présentée justement donc parce qu'elle était invitée, c'était une invitée spéciale par rapport à la série qu'ils sont en train de faire sur le collagène élixir. Ils font ça tous les jeudis et tout. Donc voilà, alors, mère de 4 enfants, okay. Son niveau de leadership avec Isagenix, c'est Platinum 14 étoiles et Exécutif Cristal 12 étoiles. Okay. Et voilà, voici ce qui m'a vraiment touché. Elle a plafonné 3 centres d'affaires avec Isagenix. Wow! 2 dans sa maison et 1 pour sa mère. N'est-ce pas extraordinaire, ça? 2 centres d'affaires. Ça veut dire quoi, un centre d'affaires? Un centre d'affaires, c'est vous avec une jambe à gauche et une jambe à droite. C'est en fait ça. C'est ça, un centre d'affaires. Okay? Vous, une branche à gauche, une branche à droite, avec clients et autres leaders. Okay? Donc, elle a plafonné 3 centres d'affaires, mes amis. Ça veut dire quoi, plafonner? Plafonner, ça veut dire atteindre les 250 cycles et plus. Vous voyez? Un centre d'affaires est programmé pour générer, OK, on va dire 250 cycles maximum par semaine. Ça veut dire quoi, ça? Ben, c'est quoi d'abord un cycle? Un cycle est l'unité à travers laquelle on mesure, en fait, une commission d'équipe. OK? Ce qu'on appelle un cycle, c'est en fait une commission d'équipe. Et un cycle est un paiement de 60 dollars canadiens ou 54 dollars américains. En euros, ben, faudrait ajuster ça au taux du jour. Okay? Parce qu'on a des gens de l'Europe ici aussi connectés. Donc voilà, les gens de la zone outre-mer. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui donne un cycle? C'est lorsque nous avons 600 points volume, okay? Volume d'achat, volume de vente, volume de consommation, 600 points d'un côté et 300 points de l'autre. Et donc, ça génère 60 dollars canadiens. Okay, on va garder le dollar canadien pour le moment. 60 dollars canadiens, donc voulant dire que c'est comme si on nous donnait 20% de la branche la plus petite. Dans ce cas-là, si on a 600 points d'un côté, 300 de l'autre, donc, et qu'on gagne 60 dollars, waouh! À chaque fois qu'on a 600 et 300, c'est 60 dollars. 600, 300, 60 dollars. Donc, chaque cycle fonctionne sous base du nombre de fois qu'on peut reproduire 600 et 3 fois. Vous voyez? Si vous avez 1200 d'un côté et 600 de l'autre, vous avez 2 cycles. Pourquoi? Parce que vous avez 2 fois 600 et 2 fois 300. Vous voyez? Mais la mesure, c'est 600 et 300. C'est tout. Pas beaucoup, là. Okay? Dès qu'on a 600 points d'un côté et 300 de l'autre, on a un cycle. On a 60 dollars. 600, 300, 60 dollars. 600, 300, 60 dollars. 600, 300, 60 dollars. 600, 300, 60 dollars. OK? Vous voulez faire 3 cycles. Donc, être payé 60 dollars fois 3. OK? 180 dollars. OK? Ça prend quoi? Ben, ça prend 3 fois 600 et 300. Donc, 900 d'un côté, 1800 de l'autre. Vous voyez? 1800 points. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on plafonne un centre d'affaires, c'est lorsqu'on a atteint 250 fois 600 points d'un côté et 300 de l'autre. 250 fois. Donc, 250 cycles, qui équivaut à 13 500 dollars américains pour la semaine. Et cette chère dame, elle a atteint donc les 250 cycles par semaine dans son centre d'affaires à elle, donc elle et ses deux branches. Dans le centre d'affaires, donc dans un compte d'un membre de la famille, de la même maison où elle habite, peut-être son mari ou un enfant. Et ensuite, dans le centre d'affaires de sa mère, parce que sa mère aussi a un compte, donc sa mère aussi a atteint 250 cycles par semaine. Waouh! Mais moi, ça m'emballe des choses comme ça. Parce que j'ai des comptes familiaux, moi aussi. Vous voyez?
mon épouse gagne, elle était comme waouh, c'est fantastique. J'ai encore reçu une paye des Agenix. À chaque femme dit, j'ai encore reçu une paye des Agenix. J'ai encore reçu une paye des Agenix. Waouh, et encore, vous voyez. Elle a des cycles. Elle reçoit ses cycles régulièrement. Okay. Alors qu'elle ne bâtit pas le business. J'ai juste ouvert des comptes familiaux. Vous voyez. Elle est juste emballée. Waouh, encore une paye des Agenix. Et c'est comme ça chaque semaine. Okay. Fantastique ça. J'ai les comptes de mes enfants qui génèrent aussi des cycles. Ouais. Le compte de mon épouse génère des cycles. Les comptes de mes enfants génèrent des cycles. Et tout. Et là, quand je vois ça, pour moi, c'est comme oh, ok, c'est intéressant ça. Donc, on maximise notre centre d'affaires. Dans mon cas, moi, ça serait du genre le mien, maximiser. Mon épouse, maximiser. Les enfants, maximiser. Waouh! Vous vous rendez compte? Avoir 3-4 personnes de la même maison qui ramènent 13 500 dollars américains chaque semaine. OK? Donc pour elle, c'est 13 500 dollars américains fois 2. Sa mère aussi, donc elle a son 13 500 par semaine. Vous faites ça fois 4. OK? C'est 54 000 dollars américains, OK, par mois. OK? Ou 65 000 dollars canadiens par mois. Imaginez un peu. 65 000 dollars canadiens par mois. Imaginez un peu. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Comment votre vie changerait? Comment la famille au complet? Okay, là, on parle de plusieurs centres d'affaires, mais un seul centre d'affaires change toute une famille. Parce que, regardez, une fois qu'on a mangé, OK? Bien mangé, on a bu, OK? Nos jus et nos BA et tout. La maison est achetée, la maison est payée, il n'y a pas d'hypothèque, ok? Moi, j'encourage la mentalité zéro hypothèque, hein, en passant. Ok, juste petite parenthèse. Hypothèque veut dire mortgage. En anglais, on appelle l'hypothèque mortgage. Ok, mortgage. Mais mortgage, il y a le mot mort, qui veut dire mortalité, et gage, qui veut dire gage. Donc, une hypothèque, okay, quand on le traduit de l'anglais, c'est un gage à la mort. Ok? Pas évident, ça. Que vous achetez une maison à 500 000, ben à la fin de la période où vous avez payé l'hypothèque, la maison, vous avez payé la maison trois fois. 500 000 à la maison, à la fin des 25 ans, 30 ans d'hypothèque, vous avez peut-être payé quoi, 2 millions pour une maison de 500 000? Vous voyez? En tout cas, bref, moi, je suis du genre zéro hypothèque, OK? Zéro hypothèque. Donc, la maison, la villa et tout, c'est cash. En tout cas, ça, c'est juste moi. Et pour ceux qui veulent les preuves divines de ce que j'avance, je vous en parlerai prochainement, pas pour aujourd'hui. Les preuves divines sont là aussi, en passant, c'est pas juste. C'est bien que je pense comme ça, mais c'est bien de savoir aussi que Dieu pense comme ça aussi. Okay? En tout cas, on continue. Donc voilà, imaginez un peu, okay? On a mangé, on a bu, quand je parle, on a bu. Okay? Santé, okay? De l'eau, du jus, ok. Je ne fais pas la promotion de l'alcool. Okay? On a mangé, on a bu, la maison est payée, les voitures sont payées, il y a zéro dette. Quoi d'autre après? Okay? Et là, du coup, la vie change. On commence à vivre une vie de plus grand impact. Vous voyez? Quand on n'est pas en train de se battre pour sa propre survie, du coup, la survie des autres devient... devient un sujet d'intérêt. Vous voyez? Je répète encore. C'est important comme entrepreneur de comprendre ça. Quand on n'a plus à se battre pour sa propre survie, du coup, la survie des autres devient un centre d'intérêt. Lorsqu'on est dans la voiture et que c'est du genre l'essence est presque finie, et c'est du genre où est la prochaine station d'essence? Où est la prochaine station d'essence? Où est la prochaine station d'essence? Et du genre, les enfants de la voiture, « Oui, papa, non, laissez-moi tranquille. Prochaine station d'essence. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, on doit absolument trouver une station d'essence parce qu'on est dans le rouge. Lorsqu'on vit avec son nez juste au-dessus de l'eau, comment avoir l'énergie, l'endurance, la motivation et tout
d'aller donc aider quelqu'un d'autre à ne pas se noyer lorsque nous-mêmes, c'est, on est juste là, le nez juste au-dessus de l'eau, vous voyez. Donc, du coup, lorsque tout est pris en charge, du coup, le bien-être des autres, la survie des autres devient un centre d'intérêt extraordinaire. Et on devrait tous être comme ça. Dans le concept du créateur, c'est un concept qui va dans ce sens-là. Vous voyez? Alors, un seul centre d'affaires, imaginez un peu 65 000 dollars canadiens par mois. Chers amis, à un moment donné, là, même si vous aviez une hypothèque, à un moment donné, l'hypothèque est payée. Avec 65 000 par mois, même à un moment donné, l'hypothèque est payée. À un moment donné, les voitures, vous allez avoir la voiture de l'année, elle est payée. Vous voyez? Vous mangez ce que vous voulez. Je veux dire, moi, j'ai vécu, moi, les boîtes de conserve. Haricots. Et du riz. Et heureusement qu'en tant qu'Africain, riz et haricots, ben, c'est un classique. Okay? Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Ma femme, à un moment donné, là, parce que, bon, elle n'est pas africaine, à un moment donné, c'était comme, OK, ben, j'aime bien les haricots, mais bon, quand on en parle, on rigole, quoi. On rigole. C'était du genre, c'était très bon, hein, les haricots, mais à un moment donné, c'était quand même, oh là là. On fantasmait sur les steaks, à un moment donné. J'ai vécu ça. On fantasmait sur les steaks. Il y a un grand restaurant ici de steak, ici au Canada, qui s'appelle The Keg. Je ne sais pas si c'est à ça au Québec, mais en tout cas en Ontario, The Keg. Oh là là, à un moment donné, c'était quand même, quand on pourrait encore aller à The Keg, s'offrir un beau gros steak. En fantasmé. En tout cas, bref. Juste une parenthèse. Mais quand on a, vous voyez, on a mangé et on peut faire tout ce qu'on veut. Chers amis, 65 000 par mois. Okay, là, on parle de trois centres d'affaires, mais un seul centre d'affaires, c'est déjà la solution. Je veux dire, on devient un centre de solution. Vous voyez. En investissant correctement avec ce genre de revenus par mois, il y en a qui sont contents de faire 65 000 par année, mes chers amis, par mois. Et ça, c'est juste atteindre 250 cycles avec nos commissions d'équipe. Ça, c'est même pas le recrutement, c'est pas les bonus de leadership, il n'y a pas de cagnotte là-dedans, il n'y a rien. Juste la consommation dans le réseau. Le 20% qu'on gagne sur la branche la plus petite. C'est extraordinaire. Dans 250 cycles, okay. Et avec ça, un seul centre d'affaires résout les problèmes de toute une famille. Vous pouvez nourrir tellement de personnes avec ça. Et dépendamment de d'où vous venez, s'il y a aussi la culture de, bon, on aide au pays, vous savez un peu, je sais qu'au Canada, on n'est pas familier avec ça, mais ceux qui sont dans certaines cultures, certains pays, le concept d'aider les gens au pays d'origine, 65 000 par mois, on peut en faire des choses. Je vais tout arrêter et voilà, devenir missionnaire. Voyager à travers le monde et aider les gens, propager l'évangile. Ouvrir des églises, des écoles, des orphelinats. Je veux dire, qu'est-ce 65 000 par mois? Je ne sais pas si on se rend compte de l'impact de ça. Mais Courtney, elle, c'est trois centres d'affaires qu'elle a pu plafonner. Trois centres d'affaires. Vous voyez? Trois centres d'affaires. Donc, 65 000 par mois, OK, en 60 dollars canadiens. Vous faites ça fois 52 semaines et on part de 850 000 par an. Presque un million. Ça, c'est juste les commissions d'équipe. Si on devait rajouter les bonus et autres, c'est clair, c'est un million de dollars par an. Donc, près d'un million de dollars par an pour sa mère. Ça, c'est juste sa mère, OK? Dans le business, OK? Le centre d'affaires a été plafonné. Et pour elle-même, Hillary Courtney, donc il faut faire ce montant deux fois. Donc, on parle de 1 400 000 okay, en dollars américains par année et de 1 700 000, donc près de 2 millions de dollars canadiens pour elle, pour sa maison, où il y a deux comptes dans sa maison qui sont plafonnés. Elle a aussi aidé 80 familles à gagner plus de 100 000 par an. Waouh, vous voyez? 80 familles dans sa structure, qu'on appelle downline.
80 familles à gagner minimum 100 000. Donc, ce n'est pas juste 100 000, là. C'est 100 000 à des millions, quoi. OK? Mais elle a aidé 80 familles à gagner plus de 100 000 par an. Plus de 100 000, donc 100 000, 200 000, jusqu'au million. Son revenu en ce moment connaît une croissance de 5 % cette année. Ça, c'est grâce à, au collagène et tout ça et tout. Et ça, c'est énorme quand on a une aussi grosse équipe. Voilà, elle a plus de 100 000, elle a plus de 100 000 personnes sur le réseau. Alors, une augmentation de revenu de 5 %, c'est énorme. Oui. Ses enrôlements cette année connaissent une croissance de 155 %. Waouh! Et l'émergence de nouveaux leaders dans son équipe, okay, dans sa structure, okay, connaît aussi une croissance donc, énorme, donc, de 150%. Donc voilà, c'était le petit spot du jour, en présentant donc, l'histoire de Hillary Courtney. Donc vraiment très inspirant. Très, très inspirant. Donc voilà. Alors, on va conclure avec ça. Et je voulais, j'avais commencé la semaine dernière le parcours de les 7 étapes, enfin, les 7 raisons pour lesquelles on devrait considérer être entrepreneur. C'était important cette étude-là, on avait fait la raison numéro 1. Si je peux faire la raison numéro 2 en 5 minutes, je veux me risquer. Parce qu'on est déjà en clôturé là, okay? Mais je veux me risquer. Donc, voilà un peu, pour que tu clôtures avec Hillary Courtney, voilà pourquoi est-ce que j'étais vraiment emballé. Parce que là, je me dis, waouh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des comptes familiaux, okay? Genre vous avez un compte à vous, un compte pour votre mari, ou bien si vous êtes marié, vous êtes l'homme, vous avez un compte pour votre épouse, un compte pour les enfants, ou tous les enfants, en tout cas. Ça ici, c'est extraordinaire. Imaginez pour vous un peu offrir à votre mère, à votre père, à vos parents, ou, OK? La liberté financière, en les aidant à avoir leur compte complètement maximisé. Imagine un peu le mari qui fait ça pour son épouse. Imagine un peu le genre de retraite qu'on offre à son épouse avec un compte maximisé. Bien, si vous êtes l'épouse, vous, imaginez un peu la retraite que vous pouvez offrir à votre mari. Et ça demande quoi? Ça ne demande, ça demande pas qu'il soit exécutif et tout. Non. Consultant. C'est tout, consultant. Un consultant va aller chercher jusqu'à 250 cycles par semaine. C'est tout. Un consultant peut être multimillionnaire à Isagenix. Un consultant. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a juste enrôlé un client à droite, un client à gauche. Fini. C'est tout. Tant qu'après, ça continue, OK? Et qu'il y a ce volume qui justifie le nombre de cycles par semaine, eh bien voilà, c'est le jackpot, vous voyez. Donc, quand vous enrôlez, en même temps, vous avez des comptes familiaux, OK? Donc, placé sous vous, mais placé aussi sous la famille. OK? Placé aussi sous la famille. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à un moment donné, une branche sous la membre de la famille va exploser. Mais ça va faire exploser ce membre de la famille-là, mais vous aussi, parce que c'est en dessous de vous de toutes les façons, à gauche ou à droite. Donc, plaçons toujours sous nous, oui, mais aussi stratégiquement sous les membres de la famille, sur leur gauche ou leur droite. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un de la lignée va exploser. Ou quelqu'un de la lignée va recruter un cousin qui était avec une autre compagnie de marketing de réseau qui vient de fermer. Il se cherche un nouvel endroit où aller et lui fait confiance à son cousin. Et ils viennent tous sous leur cousin, mais il ramène combien? 10 000 personnes. Et du jour au lendemain, là, vous regardez votre back-office et vous avez 10 000 personnes. Qui viennent d'où? Ben, qui viennent de quelqu'un dans la lignée qui, le cousin ou l'oncle ou la tante, les a rejoints par liens familiaux et eux, ils viennent avec leur équipe d'ailleurs. D'une compagnie qui aurait fermé ou qui a des problèmes et les gens se cherchent une nouvelle opportunité. Ça arrive tout le temps dans le marketing de réseau. Hériter des grosses équipes qui viennent des autres compagnies par une personne de votre équipe qui connaît quelqu'un là-bas personnellement. Et par cette relation-là, du jour au lendemain, vous pouvez avoir un exode en milliers de personnes sous vous. Ça peut arriver à gauche, ça peut arriver à droite. Ça peut arriver et à gauche et à droite. Et du coup, si vous étiez au moins consultant, vous avez gardé au moins un autoship, okay, avec un compte actif à gauche et à droite, vous voilà en train de racler 250 cycles par semaine et devenir multimillionnaire. Parce qu'à 65 000 $ par mois, là, vous êtes multimillionnaire. Vous voyez un peu? Quand on comprend ça, mais c'est ça qu'on doit enseigner à nos équipes.
le strict minimum, chers amis. Soyons au moins consultants. Oh là là! Soyons au strict minimum consultants, mes amis. Oui, on veut les managers et les directeurs et les exécutifs, absolument. Mais à la base, soyons au moins consultants. La position du consultant, c'est la position du jackpot. À n'importe quel moment, ça peut arriver. Vous voyez? Et prochainement, dans d'autres sessions, je vais vous enseigner comment est-ce qu'on crée ce contexte-là. Comment est-ce qu'on attire ces événements-là. Comment est-ce qu'on amène nos entreprises à devenir ce genre d'entreprise-là. On en parlera. OK? Donc, voilà un peu là où on va s'arrêter aujourd'hui. Je voulais me risquer de présenter le point numéro 2 sur les 7 points, les 7 raisons pour lesquelles on devrait être entrepreneur. Je vous montrerai néanmoins la diapositive, mais ce sera pour la semaine prochaine. Je respecte le temps. Okay? Et on a une session très riche aujourd'hui. Très riche, de toutes les façons. Donc, la semaine dernière, en fait, c'est ça ce qu'on est en train de parcourir, OK? Ça ici, OK? Donc, le modèle social original des entreprises, pourquoi le marketing relationnel marche, les 7 raisons pourquoi vous devez être entrepreneur et tout. Donc, la semaine dernière, on a vu ça. On a vu la raison numéro 1, sécurité d'emploi, OK? Donc, le replay existe hein, pour la semaine dernière. Donc, vous pouvez aller suivre ça. Et on est arrivé à l'étape numéro 2, qui est en fait faire plus d'argent. Mais on va parler de ça. Je réserve ça pour la semaine prochaine. OK? Ou peut-être que je peux le faire en 30 secondes. Parce que ce serait une bonne façon de clôturer l'histoire d'Hillary Courtney. OK? Vous venez de voir là l'extraordinaire exemple de faire plus d'argent. Mais voici ce que disent beaucoup de sondages. OK? Un sondage de la Réserve fédérale des États-Unis révèle que la valeur nette des entrepreneurs est 5 fois plus élevée que celle des employés traditionnels. OK? Ce que ceci veut dire est que dans le contexte économique actuel, les entrepreneurs auront 5 fois plus de chances de sortir de la récession car ils auront créé un revenu avec leur propre entreprise. OK? L'industrie des ventes directes, donc marketing de réseau, okay? L'industrie des professionnels de la vente, donc nous, okay? Entrepreneurs, cette industrie génère plus de 200 milliards de dollars américains par année. Okay, c'est pas peu, là. Okay? Donc, il s'agit d'un mouvement global à l'échelle planétaire. Donc, voilà un peu là où je m'arrête. Et la semaine prochaine, je reviendrai un peu là-dessus pour élaborer sur la notion de comment est-ce qu'un entrepreneur, pourquoi est-ce qu'un entrepreneur peut faire plus d'argent qu'un employé. Okay? Ça peut ne pas commencer comme ça. Mais si on fait bien les choses, ça finira comme ça. Okay? Donc, voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera au point numéro 2. On va l'élaborer et on ira au point numéro 3 et ainsi de suite. Mais on aura toujours un scoop du jour, okay? Une capsule du jour. Comme aujourd'hui, on a étudié le profil de Hillary Courtney. Donc, il y aura toujours quelque chose de spécial à chaque session. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est une forme très, très différente d'enseignement. Mais si on est prêt à recevoir, à prendre des bonnes notes, et tout, on en ressort motivé, impacté, inspiré, et on est prêt à aller... et réaliser toutes sortes d'exploits. C'est tout ce que ça prend. Moi, ma vie a changé le jour où j'ai été impacté par un orateur qui est venu des États-Unis, qui a parlé comme ça, comme je vous ai parlé, pendant à peu près une heure, et j'étais survolté ce jour-là. J'entendais des concepts qui m'ont mis en ébullition, je n'en revenais pas. Et j'étais sûr que j'allais réussir dans l'industrie. J'étais sûr. Et j'ai même appelé une de mes amies à qui j'avais essayé de faire la présentation de l'opportunité du moment. On parle de 2008, là, 2008. Et elle n'avait rien compris, mais je l'ai rappelé après. Je lui ai dit, écoute, j'étais tellement survolté après ce que j'avais appris. Je lui ai dit, je veux te rencontrer la semaine prochaine, OK, mardi. Je te refais la présentation et tu vas embarquer avec moi. Et c'est ce qui est arrivé. Je lui ai présenté la même opportunité que je n'avais pas pu présenter la semaine d'avant. Elle m'avait même dit, va encore étudier ton affaire, là, parce qu'elle ne comprenait rien. Et la semaine d'après, elle me regarde avec des yeux ronds comme ça, la bouche ouverte, du genre, qu'est-ce qui s'est passé? Okay? C'est comme si je n'étais pas la même personne. J'ai juste été illuminé. Et c'est ça, en fait, le but de ce podcast. On va en profondeur, on touche à différents concepts, mais je m'adresse à votre esprit.
Oui. Parce que c'est là que ça change. Parce que de l'esprit, on impacte l'âme, de l'âme, on impacte le corps. Si les choses sont faites correctement, évidemment. OK? Donc voilà, c'est tout. Alors, on s'arrête là. Donc, je vous remercie de votre présence et je remercie Dieu de l'opportunité que j'ai de pouvoir servir.